Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 174 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Metro 2033. Alors, dans Metro 2033, j'avais déjà vu il y a quelques temps, je me suis dit ce jeu-là, il a l'air bien, on dirait une sorte de petit FPS, un peu survival horror. Et ben, j'ai pas été déçu, franchement. Là, c'est pas vraiment un let's play à proprement parler puisque j'y ai joué un peu avant, ce qui m'a permis de tester tout un tas de configurations graphiques parce que il demande énormément de ressources quand vous filmez, ça devient compliqué. Et même quand vous filmez pas, alors c'est un truc de fou. Donc là, on se fait une nouvelle partie, on se la fait en mode facile et on va se regarder le prologue tous ensemble, comme d'habitude. Allez, j'écoute le petit blabla du début. De la surface. Bientôt, sous les hurlements du vent, nous allions devoir faire face, quel que soit ce qui nous attendait là-bas. La fin de mon long voyage approchait, mais aurais-je le courage, la volonté d'y parvenir? Hey, Artyom, quand t'as quitté ta station d'origine, pouvais-tu imaginer qu'on finirait dans un endroit pareil, ne sachant pas si nous allions sauver notre monde, ou l'envoyer tout droit en enfer? Et c'est à nous de jouer cette QSD pour vous déplacer. Alors bah là on est en sorte de commando, je ne sais pas tellement ce qu'on fait en fait. Donc on va ouvrir la porte par ce bouton là. Et comme ça marche pas, on utilise le mode menu. Ouais, comme je vous ai dit, j'y ai joué un petit peu avant donc je connais un peu. Même si j'ai pas tellement compris l'histoire. Alors on change d'arme, on prend des munitions, il y en a partout. Tac 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 tac. Et on prend celle là aussi. Voilà. On est à fond munitions, c'est parti. Alors c'est une sorte de petit survival parce qu'en fait on va croiser pas mal de petites bestioles pas très sympathiques. On dirait qu'il y a personne. Alors là pour l'instant au niveau graphisme ça peut aller, même si on sent quand même que la fluidité n'est pas tellement au rendez-vous. On met son masque parce que l'air n'est pas respirable en haut. Pourquoi je ne sais pas, mais l'air n'est pas respirable. Et là on va se faire normalement attaquer par des bestioles. Voilà, elles sont là-haut. Alors première fois que j'ai joué je me suis fait avoir parce que quand même, enfin je ne suis pas mort mais disons que j'ai passé un sacré paquet de balles parce que je savais pas du tout qu'est-ce qu'il fallait faire. Et ces machins là il faut y mettre 30 chargeurs pour que ça crève, c'est incroyablement chiant à tuer. Voilà. Hop, il y en a une qui va atterrir, voilà, devant moi. Bon, c'est pas tellement aléatoire à ce niveau-là, parce qu'on sait où elles vont atterrir. La première fois où j'ai joué, en fait, j'étais juste en dessous d'elle. Elle m'a atterri dessus, j'ai rien vu, j'ai rien compris. Donc là, bon, je sais que ma vie n'est pas gravement... n'est pas gravement endommagée, parce que, bon, bah, c'est en mode facile... C'est sympa. Alors là on va sortir dehors et là on va comprendre notre douleur. Donc on va l'aider à ouvrir la grille. Voilà, on tire. Hop. On appuie en vivement sur eux. Et on va sentir notre douleur parce que vous allez voir que dehors il neige. Et pour représenter la neige, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais franchement, graphiquement, ma carte, elle en peut plus. Donc voilà. Attention. Regardez, vous allez sentir, il va y avoir des petits lags, voilà, des petits accrochages, regardez, ça fait des accrochages quand on avance. Je sais pas, et là franchement j'ai baissé la qualité du jeu, hein. Franchement je l'ai vraiment vraiment baissé. Et je tourne avec un Alienware pour vous dire que quand même que le jeu, il mange, il fait pas semblant, Crysis, il peut quand même commencer à se méfier. Alors, là on attend notre pote parce que sinon on va pas aller loin. Et puis on va attendre d'autres potes parce que on va venir nous chercher. Calculer notre position. Terminé. Allez, voilà. Ouais, il faut attendre qu'il avance en fait, parce que sinon. Maintenez mage pour courir. Regardez les graphismes, c'est impressionnant quoi. Les graphismes qui sont utilisés là. Ça mange tout. Ça mange tout ce que vous voulez. Là, il y a la voiture qui arrive par ici. Voilà. Et elle va venir. Jusque là. Non, elle avance, voilà. Ouais. Alors, ils mettent un peu du temps à sortir. Allez. Voilà, cinématique.
Content de vous voir, colonel. Vous avez entendu ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Attention les yeux, on a une véritable légion de bestioles qui vont passer. Hop, bah ils passent tous par là. Voilà, ils viennent pas trop sur nous. Par contre, on va se faire déglinguer. Et c'est le but du jeu, hein. Donc on peut se défendre un maximum, on peut essayer de survivre. Mais dans tous les cas, on va forcément se faire déglinguer. On je spoil les 10 secondes qui vont arriver. Voilà. On va essayer de survivre un maximum, mais ça sert un peu à rien du tout. Ouais. Où c'est qu'ils sont? En plus avec la neige, avec toutes les bestioles, avec les mecs qui tirent, c'est horriblement dur graphiquement. Franchement, là on peut plus. Ah bah là je me fais attaquer, je vais pas tarder à tomber au sol. Vas-y, vas-y, crève, voilà. Allez, cinématique. La vie était dure dans les tunnels, mais c'était chez nous. La routine y était réconfortante, toujours les mêmes visages, jour après jour. Mais depuis que les attaques des mutants s'étaient intensifiées, la peur régnait sur la station. Je venais d'avoir 20 ans. Jamais je n'aurais pu imaginer ce qui allait se passer le matin où l'ami de mon père adoptif, Hunter, est arrivé à la barricade. Artyom, enfin réveillé, je vois. Hunter va arriver. Il doit avoir des nouvelles des autres stations. Bien. Donc comme vous l'avez vu, nous voici 8 jours plus tôt et nous sommes dans une sorte de base. Donc on va suivre le mec là. Et il y a tout un tas de mecs. C'est un peu construit à l'arrache. Mais ça ressemble à une base. Donc il y a des flèches là-bas. Et qu'est-ce qu'il nous raconte? Au pire, on s'en tape. Et on va continuer. Hop, salut, oui, coucou. Le mec est devant nous. Oui, coucou, je suis là. Robert Président. Il est pas là. Vas-y, bouge ton cul. Regardez le mec, comme il se traîne, quoi. Vas-y, avance. Je peux pas passer, je peux pas aller plus loin sans toi. En tous les cas. Allez. Voilà, tu vas aller mourir cette porte, s'il te plaît. Oui. Parce qu'il y a que lui qui peut. 4. Je comprends, mais restez calme. Oh, c'est vous. Combien de morts? Personne ne le dit. Allez, Alex. Bonjour, Artyom. Comment vont les blessés? Pas d'amélioration. 2 sont morts ce matin. Les sombres ne tuent pas sur le... Et combien de temps ça va durer? J'en peux plus. Ils s'en prennent à l'esprit de leurs victimes. Ce qui, tôt ou tard, entraîne la mort. Je peux pas. Je peux pas. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? C'est Hunter. Les mutants ne frappent jamais. Ouvrez cette porte.
Bienvenue à VDN Cash Center. Merci. Fermez cette porte. Ça faisait un bail, Hunter. Content de te voir, Alex. Bonjour, Artyom. Alors, Hunter, qu'est-ce qui se passe dans le monde extérieur ? Pas grand-chose. J'entends surtout parler de VDNKH et des morts vivants dans vos tunnels. Artyom, j'ai rencontré un vendeur de vieilles cartes postales de New York. J'ai pensé à ton mur. Ces créatures mutantes sont différentes. C'est autre chose. Qu'est-ce c'est que pire encore. Les sombres. Bref. Quel qu'il soit, mon ordre a pour devise. Si l'adversaire est hostile, tue-le. Les alerte intrus dans le conduit d'aération principal. Ils arrivent par en haut. Merde. On n'avait pas besoin de ça. Il y a des blessés juste derrière le mur. Kirill, emmène ton groupe dans les tunnels. Hunter Alex, et moi... on doit rester ici et défendre le hall. Très bien. Artyom, attrape vite une arme. Allez, donc on va les aider. On va prendre une petite arme de merde. Eux, ils ont de bonnes mitraillettes. Nous, on a un vieux pistolet, un vieux pétard, comme qui pourrait dire. Donc je switch d'arme, mais j'aime pas tellement le couteau. C'est pas tellement efficace. Alors par contre, ils vont arriver par les conduits d'aération. Vous pouvez en être sûr. Là, on voit rien du tout. Donc il va falloir guetter les mouvements. Ah, la lumière. Ouais. Voilà, on voit déjà un peu mieux. Par contre, il faut savoir par où. Ah bah tiens, par en haut. Par où ils vont venir. Ouais. Peut-être un deuxième par là. Ah bah oui, un deuxième par là. Troisième même d'ailleurs. Alors moi je reste en retrait quand même. J'ai qu'un petit vieux pistolet tout pourri là. Où c'est qu'il tire? Il tire dans quoi là? Y'a plus personne. Ah mais d'accord, il tire là. Ok d'accord. Hop là. Y'en a un là. Oh, voilà. Ils doivent arriver un peu par tous les côtés maintenant. Ah bah tiens, y'en a un là. Il a l'air mort. Ouais. Non, c'est sûr qu'il est mort. Ah les salauds là, vas-y. Putain, je tire à côté. Ouais, il tombe quand même plus facilement que celui de tout à l'heure où c'est que je vide un chargeur dessus. Allez, vas-y. Ah, il a réussi à casser la grille. Allez. Et les machins qui se traînent tout seuls, quoi, tu... ils avancent par terre, ils font... Mais bien ouais, sûr, c'est bon. C'est un bon tireur, le petit. Eh ben, j'ai des compliments, c'est super. Il n'y en a pas d'autres. Pas de sombre ici. Juste les déchets habituels. Même si tu les vois pas, les sombres sont là. Leur arme, c'est la peur. Elle fait fuir les Nosalis comme des rats dans les tunnels. Les sombres sont pas de simples mutants, mais des Homo Novus, la prochaine étape de l'évolution. Tu connais la survie du plus fort, bah devine, on a perdu. Qu'est-ce qui te prend, Alex? Tu peux te laisser emmener à l'abattoir comme un agneau. Tant que je suis en vie, je me battrai, et j'emmènerai plusieurs de tes Homo Novus avec moi en enfer. Tu te prends vraiment pour un cow-boy? Ouvre les yeux, Hunter! 10 soldats, entraînés au combat! Leur corps brisé, leur esprit perdu! Les sombres! Ils ont détruit le poste de garde extérieur! Putain, qui diable sait ce qui se passe là-bas?
au-delà de votre périmètre. Je vais partir en reconnaissance. Écoute bien, Artyom. Si je ne suis pas revenu dans la matinée, rends-toi à la station police et trouve un certain Melnik. Raconte-lui ce qui m'est arrivé et ce qui se trame dans les tunnels nord. Montre ça à Melnik, et il saura que tu viens de ma part. J'ai confiance en toi, Artyom. Je compte sur toi. Si nous voulons survivre, cette menace doit être éliminée. À tout prix éliminée. Tu comprends ? Hunter n'est pas revenu. Pas évident de trouver une excuse pour quitter la station et me rendre jusqu'à police, mais j'avais donné ma parole. La caravane partait pour Riga le lendemain, et ils cherchaient des gardes. Alors je me suis inscrit. Enfin ! T'as pris ton temps, comme d'hab ! Ok, prends ton matos et va sur le quai. Ils nous attendent. Je te rejoins là-bas. Hé, Artyom ! N'oublie rien ! La musique russe qu'on vient d'entendre, c'est un peu flippé quand même. Alors, voilà, c'est bon, on a pris nos affaires, on n'a pas d'armes, on peut éteindre la lumière, bon, pour les économies d'énergie, pourquoi pas, oui. Voilà, on peut éteindre n'importe quelle lumière, et puis on sera à touche action en fait. Ouais, toi t'es pas beau. Est-ce que je peux aller là? Ouais, ouais, de toute façon faut que je suive les flèches, il y a des flèches de partout. Un petit enfant qui joue. Hop là, hop là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, je sais pas. On suit la flèche. Je regarde un peu partout, voir s'il y a pas des trucs à prendre. Hop, hop. Exit. C'est bien, il nous indique le chemin, au cas où on saurait pas. On suit les flèches. Alors qu'est-ce qu'il raconte l'autre là-haut? Il raconte de la merde. Laisse-moi passer, toi. Bon, on va aller par là. Oui, je sais pas. Non, fumeur. Je suis en train de me demander où c'est qu'il faut que j'aille. Alors lui, il m'a dit qu'il fallait que je passe à l'armurerie. L'armurerie, c'est pas ça. Ça, c'est pour acheter, pour vendre. Pour acheter des munitions. Ouais, j'achète des trucs. Hein. J'achète plein de trucs. Voilà. Super, j'ai fait le plein de je ne sais pas quoi. Ouais, parce qu'il est là, moi, ça c'est mon pote, ça. C'est mon pote qu'il faut que je voie, mais il me dit qu'il faut que je passe à l'armurerie. Et l'armurerie, je sais pas où elle est. Où es-tu, l'armurerie? Ça non plus, je sais pas ce que c'est. C'est une bloc-notes. Une sorte de truc bizarre, ouais, avec un briquet. Allez, ah bah d'accord, c'est pour moi, c'est... Allez, à trouver police, un ranger, appelé machin. D'accord, c'est mon, en gros c'est ma mission actuelle. Est-ce que je peux reprendre une arme ou quelque chose comme ça? Non, j'ai rien du tout. C'est beau. J'ai oublié quelque chose, est-ce qu'on va descendre? J'ai oublié un truc en bas. Là où t'as fait le ménage. Nettoie donc la merde par terre si tu veux. Hop, ça on pousse. Non. On peut toujours éteindre des lumières, c'est super. Mais j'ai dû oublier une armurerie quelque part. Hein. Parce que là, du coup, putain, l'autre nettoie comme une. Vas-y. T'es pas belle. Elle me nettoie les pieds. Ouais, mais les flèches me disent d'aller là-bas. Je suis pas bête quand même. Les flèches, il y en a encore une là-haut. Qui me dit d'aller à gauche. J'ai dû rater l'armurerie. Ah, bah d'accord. Voilà, ça va être d'accord, elle est ici, l'armurerie. Alors, parlons, mec. Mitraillette, calibre 5.45, fabriquée à l'arsenal. Faible précision et surchauffe facile. Une vraie gonzesse. Toujours de courtes rafales, Artyom. Prends quelques munitions aussi.
Voilà un chargeur universel pour alimenter les batteries. Et un masque à gaz. Porte-le dans les zones à forte radiation. Des trousses de secours, au cas où. Ok, te voici équipé, mon ami. N'hésite pas à essayer ton arme sur mon champ de tir. Ok, et tâche de pas te faire repérer, d'accord ? On teste son arme. Je dégomme de la poupée, d'accord, génial. Ouais, bon. Bon, ça marche. On recharge. Et on est parti pour un petit tour. Alors, on retourne voir notre petit capitaine qui est là. Ah, ben voilà, il est plus devant la porte, donc on va pouvoir y aller. Si tout est bon. Voilà, bon, bah, il a dû partir tout seul en avance. Et voilà. Où c'est qu'il est ? Il est là-bas, là-bas. Il est passé, il a fait 3 km le mec. Voilà. Des cochons. Et voilà. On est sur le quai, il me semble. Artyom ! Artyom, ici ! Ramène-toi ! Oui, alors ramène-toi, c'est facile à dire, mais je peux pas passer. Ouais. Je peux pas sauter par-dessus là non plus. Donc comment il a fait pour aller là-bas l'autre ? Il me laisse pas passer lui. Vas-y, laisse-moi passer, espèce de fort. Alors, vous êtes prêt à y aller ? Vous êtes prêt à y aller ? Oui, oui, je veux y aller. Alors, clic gauche pour dire oui, et clic droit pour dire non, c'est énorme. Donc on laisse la cinématique. Assieds-toi là, Artyom. Et toi, Eugène, mets-toi ici. Vous avez rien oublié ? Bon, t'as le matos ? Allons-y ! Eh hey, les mecs, vous allez à Riga ? Ouais, en effet. Vous pouvez me déposer ? Ouais, mais c'est pas gratuit. Vous devrez actionner le levier de temps en temps. Je peux le faire. Alors allons-y. Très bien. Bonne chance à ceux qui restent. Et à nous aussi. Ah, allons-y. Souhaite-nous bonne chance. Bon. Vous êtes prêts à être enfin ailleurs ? Waouh ! Artyom ! Enfin libre ! Pendant la durée du trajet, en tout cas. Ça devrait être sympa ! Ou dangereux ! Ou encore mieux, non ? C'était la première fois que je quittais la sécurité de ma station d'origine. Ça me tracassait de ne pas avoir dit la vérité à mon père adoptif. Je n'allais pas rentrer directement après Riga. Mais Hunter comptait sur moi. Alors, d'où vous venez ? Riga, je fais ma tournée. J'achète des marchandises. Vous avez dû voir du pays, alors ? Go, go, ouais. Go ! Le marché est juste à côté de Riga. Et c'est une grande station de métro. J'ai fait plusieurs voyages à police, mais pour s'y rendre maintenant, il faut avoir beaucoup de chance. Faites bon voyage. Wade de Hanza. Wow ! J'aimerais bien conduire ce truc. La zone Hanza est reliée à tout le métro, avec ses nombreuses stations. Mais les étrangers n'y sont pas les bienvenus. Et si c'est pas Hanza, vous devez passer par les rouges, les fachos, sans oublier les bandits. Et ces types sont plutôt agressifs ces temps-ci. S'ils attaquent pas tous les autres, ils s'attaquent entre eux. Le pire, c'est Sébastopolskaya. En fait, j'ai même pas réussi à attaquer. Vous êtes con ! Ralentissez, les gars ! Peter, qu'est-ce qui se passe ? Une caravane militaire est immobilisée près de Alexeyevskaya. Un éboulement ou un autre truc du genre. Vous devez prendre le tunnel de service qui contourne Alexeyevskaya. Oh, merde. Je déteste ce tunnel. Ok, Peter. Ouvrez cette porte. Inutile de rester ici plus longtemps. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a, ce tunnel ? Vraiment bizarre. Ben, c'est un tunnel ordinaire. Pas assez éclairé, peut-être. J'y suis passé le mois dernier. Oh, je l'aime pas, c'est tout. Faites bon voyage. On est sur une drésine, et on est armé. Donc on devrait y arriver. Bah, à partir de là, ça va être un petit peu épique, comme vous allez le voir. Donc je vais vous laisser les 5 minutes de jeu que je vous laisse d'habitude. Donc c'est parti maintenant. Sûrement qu'on arrêtera après ces 5 minutes. Bon sang, ma tête me fait mal.
Si vous m'aidez avec ce levier, on ira plus vite. Ok, Eugène. Aide-le, on ira plus vite. Tu gardes l'arrière, Artyom. Ok, pas de problème. On sera à Riga en moins de deux. Bon, il faut partir d'ici au plus vite. Je trouve ça flippant quand ils nous rôdent autour. Il me faut pitié. Il ? Mais qui ça, il ? Vous les entendez pas pleurer ? Comment ça, pleurer ? Et de quoi vous parlez ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Boris ? Boris ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Oh ! Ma tête ! Ah ! Artyom ! C'est quoi ? Artyom ! Par ici ! Si nous voulons survivre, cette menace doit être éliminée. À tout prix éliminée. Tu comprends ? Qu'est-ce qui se passe ? Merde ! Mais réveillez-vous ! Réveillez-vous, bon sang ! Boris ! Boris, réveillez-vous ! Boris ! Merde, ça craint ! Ah, mon Dieu ! Ah ! Tire-leur dessus ! Tu tires et je prends le levier ! Allez ! Allez ! C'était chaud. J'ai besoin d'un verre.
La station Riga n'était que le premier arrêt de mon voyage. Mais la caravane n'a pas continué. Alors, avant de nous séparer, nous avons bu à notre survie. La vodka ne m'avait pas ôté la peur de me rendre seul à police. Mais j'étais sur le point de trouver un partenaire aussi inattendu que célèbre. Et donc voilà pour cette vidéo, donc ce sera tout pour le jeu Metro 2033. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.